Ça a pas l'air trop bugué là, je crois. Ça a pas l'air trop bugué là, je crois. Oh non. Je crois que ça a l'air d'aller. Ouais les gars, c'est Romano, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 sur The Devil Enemy. C'est parti, on va directement commencer. J'espère que ça bug pas, comme d'hab. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué, je sais plus exactement où j'étais. On va voir. Ah ouais, on était dehors, on était dans le labyrinthe, je pense. Est-ce que ça va? J'ai eu de la chance. Ok. Oh mais casse-toi s'il te plaît. Oh, une prémonition. Non, même pas. Par là, je pense. Ah, j'ai oublié de me mettre totalement dans le noir. J'ai laissé les LED. Je vais les couper, c'est mieux. Décidé plus tôt que d'habitude, il est 22h. Tigris, mon clavier, putain, mon clavier. Oh non, ça va pas être un truc chiant comme ça quand même. Waouh, mes frères, tu rigoles. Je dois. C'est quoi? Donc. Waouh, mais non, c'est trop. Non, frère. Je sais même pas elle est où la putain de sortie. Hop, elle est là, c'est ça la sortie? Mais est-ce que ces trucs-là ils s'ouvrent ou pas? Je sais pas. On va regarder. Je sais même pas où on est en réalité. Une impasse. Génial, super génial. C'est mort, on est morte. Ça va, c'est bon, mais pas là, on m'a trouvé une sortie. Y'a que ça de... Mais... Oh non, elle m'a bloqué. Oh, ça va. C'est incroyable ça quand même. Ah ouais, c'est le chat qui est sur ma souris. Putain, mais il m'emmerde ce chat. En gros, ça va être ultra chiant et relou comme passage, putain. C'est ça le truc du mythe qu'on voyait sur la minimap? Ah, fils de pute. Ça m'a fait trop peur. Gros, c'est ultra chiant. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai juste pas envie, quoi. Et elle, elle me colle, elle me bloque à chaque fois en plus. Chaque fois que je me tourne, elle me bloque. Putain, c'est juste désagréable à mort quoi, la birette. Rien de pire, franchement. C'est juste lourd, y a pas de fun, y a rien, c'est lourd. Bon, là c'est une impasse, je pense. Là c'est l'impasse, donc ok, faut que je me casse ailleurs. Donc, je suppose que je dois remonter vers là. Ah, non. De où je viens déjà, je sais même plus.
Oh, c'est ultra chiant, vraiment. Je commence à baliser. Ça, j'ai pas vu ça. Je suis pas venu ici, je pense. Non, je suis pas venu ici. Faut pas que ce soit trop compliqué leur truc, ça va être chiant. Mais je pense qu'on a, je pense que la sortie est déjà ici à gauche en vrai. Non? Écoute, j'ai remarqué un fluide, truc ça à va. Propos du maître. Ah bah tant mieux. Quoi? Ouais nickel. Bon c'est voilà, ça. Quand j'étais petite, je parlais pas beaucoup. Quelle surprise! Non mais j'étais quasi muette. C'était du mutisme sélectif. Je pouvais parler, mais je le faisais pas. Quel rapport avec Monsieur Dumet? On n'a jamais entendu sa voix. Et... Une des choses qu'ils m'avaient dites, les psychologues, c'était que je me cachais. Que j'avais peur qu'en parlant, j'allais dévoiler mon identité. Pour Dumet, c'est pareil. Oh, c'est clair. Et si Dumet, c'était une femme? Non, non, c'est plus que ça. Il y a un conflit dans son identité. Il sait même pas qui il est. Il est comme coincé entre deux personnalités. Eh ben, par chance, t'es pas une tueuse. Jusqu'à maintenant? Arrête Thierry. Qu'il n'a pas encore. Arrête de me bloquer, mais fous le camp. Casse-toi, dégage. T'es, c'est incroyable. Ah, y a pas la manivelle. Dommage. Échapper du labyrinthe, trouver l'interrupteur manquant. Ah merci. Je suis déjà venu par ici. Je suis venu, je pense que c'est de ce côté-là. Ah, peut-être ici. Ouais, c'est peut-être ici, je suis pas venu. C'est pas une prémonition. Ok. Mais j'entends déjà des bruits de pas, c'est nous? Oh, il y a trop d'endroits, brother, c'est chiant. Oh la manivelle, incroyable. Magnifique. Parfait. Nice, nice, nice. S'échapper du labyrinthe, alimenter le panneau électrique. Ok, c'est fermé. Juste aller voir il y avait quoi de l'autre côté. Juste par acquis de conscience. Ok, y a rien. Ah si, y a un truc. Ouais, une pièce, ok. Dans la 42, on s'en est même pas servi. Je pense même pas que je vais m'en servir une seule fois. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai juste flashé sur lui là. Voilà, c'est ici. Hop, examiner. Flèche de droite. C'est bon. S'échapper du labyrinthe, respecter le panneau électrique. Elle est buggée, elle.
Mais ça me permet de faire quoi théoriquement de d'avoir fait ça? Ok, c'est bien beau, j'ai allumé ça, mais quoi, je suis les câbles après? Je fais quoi? C'est quoi, on va sur les câbles? Il y a une échelle ici, non? Je sais pas où je dois aller exactement. Ah bah ouais, sur la porte rouge à gauche là, non? Ah ouais, ici, ok. Ça se ferme, mais ça va s'ouvrir, je pense. Ok. On va aller voir, hein. Elle est déjà là. Ouais, ok, c'est cool, mais quoi? Ok, certes, elle me suit, elle me bloque d'ailleurs, mais quoi? On fait quoi ici dans cette pièce? Examiner, ok, une pièce. Hop, c'est bien, c'est cool. Il y a vraiment quelque chose à faire ici ou pas? Si je vois rien là. Ah, je vois vraiment rien en soi. Ils ont fait toute cette pièce là juste pour venir chercher une pièce, c'est bizarre quand même. Je sais pas, on va sortir. Hein. Tant pis. Je pense que j'avais ouvert la porte derrière moi en plus. Attends, c'était par où encore? Non, j'ai oublié comment je montais là-haut maintenant. Comment je montais là-haut? Ah ouais, ici. Est-ce qu'on n'a pas ouvert la porte rouge tout à l'heure en appuyant sur le bouton? Tu vas me dire qu'on a fait tout ça pour rien? Je comprends pas. Ouais, c'est bon, ça sert à rien. T'as fous-moi le camp, ouais, toi. Y a pas une clé ou quoi que je devrais récupérer ici? Ah bah déjà ça, j'avais pas vu déjà. Ce matin, nous ouvrons ce journal avec un flash spécial. La police de Chicago a confirmé aujourd'hui la découverte d'un corps dans un entrepôt abandonné dans le district de Fulton River. Le corps a été identifié comme étant celui d'Hector Monday, agent du FBI. Monday était le fameux tueur en col blanc, dont la récente série de meurtres a semé la terreur dans la région de Chicago.
Un porte-parole de la police a confirmé que Monday avait assassiné 4 personnes. Parmi elles, l'agent Patrick Stanley, un vétéran qui avait passé 22 ans dans la police et qui a trouvé la mort hier soir. L'incendie a été rapidement maîtrisé aux alentours de 5 heures ce matin. Le corps retrouvé sur les lieux était totalement calciné, mais la police a été en mesure d'identifier Monday grâce à ses dossiers dentaires. Ok, ouais, mais ça m'aide pas pour avancer, c'est cool, mais ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout même. Là y'a rien. Derrière le bar y'a rien. Elle m'énerve à se mettre là. Bon, de toute façon y'a rien je pense. Y'a rien. Ah ben là, putain, je suis trop con. Ah ouais, j'avais pas vu. Ah, obligé d'éteindre la lampe pour monter. On va être attendu, non? C'est bon, on est sorti? Ah, ça fait plaisir ça déjà. S'échapper du jardin. Bon, soit on est déjà plus. Oh, il y a des statues de lui, waouh. C'est quoi ce truc? Y'en a un, c'est le vrai, non? Y'en a pas un qui va bouger là. Ouais, c'était sûr, hein. C'était sûr. Je l'avais oublié, lui, deux petites secondes. C'est bon. Je sais même plus comment on est arrivé là avec lui. Ah, il sait même pas que l'autre elle est morte en plus. Waouh, j'avais pas vu ça. Putain.
cœur. C'est ici ou c'est derrière? Non, c'est pas là. Ça doit être derrière. Ici. Tigri, mon clavier, putain, tu me fais chier. Non, pas sur le clavier. Oh, il y a un truc devant moi. C'est quoi? Je vois vraiment rien. Ah, c'est pas la bague de ceux du début là. Ouais, c'est l'alliance de ceux du début, je pense. Oh! Ah, prémonition. Ok, je vais devoir faire attention. Ça va, Maurizio, bien, frérot? Hey, Charlie, je l'avais oublié, lui. Ouais, ça va, frérot, tranquille. Hein. Marc. Je pense qu'on arrive sur la phase du jeu, hein, petit à petit. Une pièce. Nouveau jeu. Non, c'est un jeu d'horreur que je fais déjà depuis un moment, là. C'est la cinquième fois que j'y joue. Et je pense que je vais arriver au bout, là. Ça va être la fin du jeu bientôt, je pense. Marc, hey. Tu m'avais vu jouer, je pense, non? La première fois, je sais plus. Sauf que tu m'avais vu. Ça peut servir. Je sais plus. J'ai l'impression. Je suis pas censé pouvoir déverrouiller les portes avec lui, je me souviens plus. Non, je dois pas re-rentrer là, c'est impossible. Non, non, je joue manette, frère, je joue manette. Je peux y arriver. Ah, ici. Tu vois bien, mes mains, elles sont là, frère. Hop. Interagir ou déplacer, interagir. Ah bah non, du coup, je dois... Je dois faire quoi, en fait?
Je comprends pas, je dois le mettre où? Non, j'ai fait tout bugger, je crois. Le graphisme du jeu, les... ouais, franchement, ça va, cool, pas mal. Et encore, je suis en qualité, je suis pas en haute qualité parce que je stream en même temps, donc pour pas avoir de problème, j'ai mis une qualité basse. Et même là, ça va, c'est cool en vrai. Et quoi, comment ça se fait que tu dors pas? Toi, d'habitude, tu dors tôt. Je vais te reposer l'après-midi. Je regarde Beria Looper. Marc. T'es droite ou gauche? Oui. Ah. Vas-y, droite. Il y a trop de possibilités d'endroits où je peux aller, ça me fait chier. J'ai pas envie de louper un truc. Ça, ça va être fermé, je suppose. On va se fermer. Là, c'est fermé aussi. Trajectoire actualisée, je pense que là j'ai influencé sur l'histoire là par rapport à où je suis passé, mais j'aurais, enfin j'en sais rien si c'était une bonne idée ou pas, j'ai vraiment été à l'instinct. Ici pareil, il y a 1 million de chemins, vas-y, moi je vais par là. Ah, je crois que c'était le plus court, mais ça revenait au même au final. Ça se tente. Ça a fait bouger le truc ou pas? Ça a rien changé ici? Ça a rien changé, je pense. Ah, par ici alors. Y'a trop d'endroits, je sais pas par où aller. Genre ça c'est là comme ça pour rien. Apparemment. Ah, je peux grimper ici. Et je peux sauter là.
Marc ? C'est pas vrai. Charlie ? T'es vivant. Avec des côtes cassées. Charlie, je croyais que t'étais mort. C'est pas passé loin. Je suis désolé, j'ai cru que... Ça fait plaisir qu'on soit en vie. J'ai failli brûler vif. Je sais. On a vu. Vous avez vu ? Sur un écran. Il y a des caméras partout. Où sont les autres ? Marc, est-ce qu'ils vont bien ? On a été séparés alors qu'on essayait de s'enfuir. Le bâtiment a été truffé de pièges par Dumette. Il nous a fait faire ce qu'il voulait. Il faut qu'on sorte d'ici. Faut qu'on retourne au ferry. Dumette l'a désactivé. On était d'accord pour aller au phare. Peut-être qu'on peut envoyer un SOS ? Y a pas de bonnes nouvelles, du coup. Eh bien... J'ai cru que je le reverrais jamais. Ok. En soi, pour le moment, j'ai tué qu'un personnage, ça va. On doit reprendre l'échelle. Ah, quoique c'est ouvert ici. Ah non, c'est fermé. Ah. Il faut trouver un moyen de grimper. L'autre marque là, il me suit pas. Prémonition. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est quoi cette prémonition qu'on a eue? Comment ils étaient sur la lune? Et je peux aller nulle part moi ici. Et du coup je fais quoi? Il reste comme un con devant la porte. Ah là, ici, la fenêtre. Non, même pas. Ah ok, j'ai loupé ça, ok. Mais du coup je la mets où? Je la mets là sur le côté, non? Genre ici.
C'est quoi cette odeur? J'ai vu un chien tout à l'heure. Oui, moi aussi. Il m'a flanqué une de ses trouilles. T'as dû l'effrayer en te mettant à paniquer. Ah, on va voir Jimmy et l'autre, j'ai oublié son nom, non? Même pas. Ah. Oh putain. Je dois respirer, non? Mais pourquoi à deux ils le tabassent pas là? Je comprends pas, ils sont deux contre un. Et il a même pas d'art à mourir. Chut. Reste calme. Ah, il est armé, ok, j'ai rien dit. Un petit pour Marc. Non, ça va. J'ai rallumé ça. Je pense qu'on doit aller par là du coup. Ah, c'était fermé tout à l'heure. Que... Oh, c'est sympa. Quoi, tout ça? Il conserve ses victimes. Waouh. Pourquoi? Ah ouais. Parce qu'elles sont précieuses pour lui. C'est des trophées. Des souvenirs. Ça, je suppose que je vais devoir la prendre. Tu m'aides, c'est tout un tas de trucs. Tu crois qu'on a affaire à plusieurs personnes? Comment ça? Pour entretenir cet endroit, les robots bizarres, les pièges... Un homme seul peut faire tout ça? C'est un seul homme. Un homme très motivé. Et complètement malade. La vache. Oh, mon Dieu. Putain. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça que je veux voir.
savais pas. Du coup, dans cette pièce, je dois rien faire d'autre, je pense. Je dois aller déplacer ça ici et monter là, je pense. Ouais, voilà. Putain, il y en a là. Deux, j'avais pas vu. Encore une alliance, c'est l'alliance de. Qui Harris va avec l'autre tout à l'heure. Y'a rien d'autre à faire ici. Hein. Je pense... Non! Non, mais gros, c'est pas ce que je voulais faire, mais. Oh là là. Pourquoi mon briquet il est éteint déjà? Waouh, c'est sympa. Y'en a qui va bouger, c'est sûr. Même pas. C'est une blague. Il n'y a pas ce passage là pour rien quand même. Je dois descendre ici? Ah non, même pas. Si on peut passer là, c'est qu'on doit faire un truc là-bas, c'est pas... Ah ok, voilà. Ah bon ça. Pourvu que ça tienne. J'ai pas vu, il a été où? Ah ok. Le phare. Ah, Erin, voilà, j'avais oublié son prénom. Échapper à Dumet, explorer la forêt. Okay. Ah, mais c'est où C'est pas où je suis déjà passé tout à l'heure?
Si, je suis venu ici avec l'autre, non? Oh non, rien à voir, c'était pas ici, je crois. Je vois pas, mais c'est quoi? Je croyais que les choses iraient mieux une fois qu'on serait sortis. Ok, je peux rien faire avec ça. On va rentrer. Hein. C'est le chien tout à l'heure, ça. Il a l'air plus mignon ici que tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est lui. Mon chat, il se demande c'est quoi. Hein, voilà du met. Vite, faut se cacher. Non, il va tuer le chien. Non, non. Non, je veux jamais. Jamais je tue le chien. Je jure que je le fais pas. Même si je l'avais tué, il aurait fait du bruit, je pense. Non. Non. Ah, ça va. C'est quoi ça encore? Besoin d'aide? Oh. Irine, je suis content. Tu vas bien. Kate et Jamie. Jamie et moi, on a été séparés dans les bois. Kate. Marc, je suis navrée, elle s'en est pas sortie. Quoi? Oh mon Dieu, Kate. Bon sang, Marc, je suis tellement. Non. C'est trop pour moi, là. Je suis désolé, Marc.
de ma faute. Il faut qu'on continue. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'ai trouvé une entrée. Venez. Ça va, il a pas l'air non plus trop triste. Il faut qu'on continue à avancer. Génial. Bien joué, Erin. Oh. On est où là? Il va falloir qu'on trouve comment ça marche. Ok, évidemment je suis celle qui a pas de lampe. Une pièce. Soixante-neuf pièces. Je vois absolument rien. T'as les autres, ils ont des lampes et des torches. Moi, je vois rien, mais rien du tout. Ouais, c'est par là que je dois aller, mais je vois rien. Ah, oh, je peux t'éclairer avec ça un petit peu, mais. Fermé. Ah bah ouais, je peux. Ah, attends. Ah ok, je peux faire aller le flash comme ça. Eh, mais une entrée, je l'ai même pas vue. À 6h ce matin, moi, agent Frank Hooper, j'ai découvert qu'un ou plusieurs individus ont accédé sans autorisation aux pièces à conviction archivées au 1612 West State Street. Parmi les objets manquants, des éléments récupérés dans l'appartement de l'ancien agent du FBI, Hector Monday. Livres, vêtements, des notes, des instruments chirurgicaux et du matériel dentaire. Selon notre théorie actuelle, les individus impliqués seraient des chasseurs de trophées à la recherche de souvenirs de l'affaire. Fin du rapport. Ok. Carte de visite trouvée. Vas-y, cassez-vous, putain, ils sont lourds à rester dans le chemin à chaque fois. Hector Whelan Monday. La clé de la porte qui est derrière nous, je suppose. Ok. D'abord, on va regarder les pièces à côté. Ah, c'est. Ah non, 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 rien à voir, c'est les clés d'un bateau. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Ça, c'est quoi ça? Ok, super sympa. Merci. Et ici, y'a quoi? Y'a trop de portes.
seul, mes parents m'aident et ils sont tous les deux très vieux. Reviens, Clara, je t'en prie. Ok. Oh. Mais encore quoi? Ok. Oh, il y a un escalier ici, attends. Du coup, la porte d'air, elle était vraiment fermée, on doit pas y aller, je pense. Tout le reste, on a regardé. Et les autres, pourquoi ils me suivent pas? Attends, il y a quelqu'un ici? Gros. Ah! Fils bordel de merde. Même mon chat, il a eu peur. Je préfère tellement les chiens. Ah! Ouais, c'était une saleté de chat. Pourquoi ils me suivent plus les autres? Ou ils sont dans mon chemin ou ils me suivent pas, c'est incroyable quand même. Il va savoir qu'on est ici du coup. Come on. J'étais sûr que ça allait pas marcher. C'était trop simple. Oh. Ah ouais, il a le vertige lui en plus. Briser les scellés est un crime fédéral. Fais pas le con, Marc. Casse le carreau, mec, si t'as vraiment peur. Ok, c'est bon. Hop, hop. Et hop. Ow. Mais c'est pas un signal SOS ça. Et les autres ils sont où? Ils me suivaient, ils sont où? Oh Jimmy. Hey, là-haut Jimmy. Hey. Oh. Oh non mon con. Pas comme ça. Me dis pas qu'il a tué le chien, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Non. Vache. T'as pas tué le chien, enfant. Ah, oh, ça c'est va. C'est quoi ce bordel? Ah. Ah. Te voilà enfin. Je ne t'attendais pas si tôt. Tu es en avance, pour une fois. Tu es un monstre égoïste. Depuis le début. Hé, hey, je vous ai posé une question. On se réveille.
C'est bon, je pense que c'est revenu. Marc, tu m'entends? Oui, il est passé. Oh, ouf. Snake, toi. Ça va, c'est bon? Il va bien. Il essaie de faire fonctionner ce putain de phare. Il lui a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Ouais, mais on est 4 contre lui là, tu vas me dire on serait... Bah ouais. Non, mais c'est trop gros. On est en 4 contre 1. Où est Kate? Faut pas qu'on s'arrête. Elle est morte, on l'a déjà dit. Pardonne-moi, Marc. Oh mon Dieu. Oh, de l'aide. C'est bon, on a réussi à se barrer. Non, c'est trop simple. Lui va mourir aussi, lui. Genre un mec tout seul comme ça. En pleine nuit. Lui, il est mort, lui. Il a une tête à mourir vite, lui. C'est pas vrai. C'est du maître. Ah. Tout le monde, les mains en l'air, tout de suite. Oh putain, c'est le gars du début. Silence, taisez-vous. J'ai dit tout le monde, les mains en l'air. Vous êtes là, heureusement. Vous allez nous aider. Tant que j'ignore ce qui se passe ici, personne ne bouge. Bah ouais, regarde espèce de con. Hein. Monsieur! Monsieur derrière vous! Le bateau! Vous vous fichez de moi? Mais il est con, hein. Bah ouais, bah tiens, crève, j'espère que tu vas mourir. Allez hop, plus de bras! Crève, crève. Allez hop, dans l'eau. Là, on y va. Prends-lui son arme. J'étais sûr. Mais y'a pas des deux hommes qui sait faire ça? Oh le chien, non. Hey, Connie, ravi de te voir. Allez. Oh, comment il sait qu'il s'appelle Connie? Allez, viens, on te sauve avec nous. Allez. Je
pense qu'on va vraiment s'échapper là. Vu qu'il y a le chien et tout avec nous. Oh, il est tombé sa gueule dans l'eau. Incroyable. On est sauvés. C'est terminé, enfin. On s'en est pas tous sortis. Ouais, j'ai tué Kate. Oh quoi? Et Jimmy, elle est pas là? Si, Jimmy, elle est là. Bien joué, le chien. Non! Non! La bonbonne de gaz! Non, pitié! Non! La bonbonne de gaz de Marc! J'aurais dû sauter. Non. Mais il attend quoi l'autre? Il est derrière, il fait rien. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est mal fait. L'autre il dort 3 heures lui. T'avais pas pris ça avant? Fais voir sa gueule, c'est qui? Ah oui, évidemment. Ben oui, évidemment aussi. Oh, c'est la prémonition que j'ai eue. Non, mais débats-toi, mec! Non, on va pas voir, il va se redéchiqueter. Thierry, je vois rien, couche-toi un peu. Ouais, ok, ouais. Si ce morceau ne vous donne pas de sourire, je ne peux rien faire pour vous. Vos titres rock préférés reviennent sans interruption juste après ça. Les pubs. Merci.
Oh. Oh zut. Merde! C'est comme ça que ça se termine. Je me suis redressé. Et ils étaient là, plantés au beau milieu de la route, à agiter les bras comme s'ils sortaient tout droit de l'asile. Et vous, d'où veniez-vous? De Fort Wayne. Je conduisais depuis 3 heures du mat. Ça fait tôt. Bah, en fait, j'essayais d'arriver au port pour 8 heures. Je suppose que c'est... Ah, on a le chien, au moins ça. Meilleure fin? C'est ça, ma meilleure fin? Je pouvais pas sauver tout le monde. Je suis content, j'ai gardé Erin en vie, je l'aime bien, c'est ma préférée de tous, de toutes. Enfin, de toutes et de tous d'ailleurs. Et ouais, mon pote. Tu veux une clope, mon gars? Pour tout vous dire, j'essaie d'arrêter. Ça va, c'était sympa en vrai. La fin, bon, je m'attendais à mieux, mais ça va. Vous êtes là. Toutes les bonnes choses ont une fin, certes. Mais était-ce une bonne fin pour notre équipe? J'ai eu un trophée meilleure femme. Hein. Hélas, hélas, il y a eu quelques pertes. Alors, repose en paix. Kate, gros plan, arrêt sur image et coupé. C'est dans la boîte. Et Jamie, elle aurait dû sauter plutôt que de vouloir combattre. L'aurait-on mal conseillé au final? Et les choses ont empiré jusqu'à la catastrophe. Ah, j'aurais pas pu le savoir qu'elle allait attaquer comme ça aussi. Et qu'en est-il des survivants? L'expérience les a-t-elle changés? Mark, il a dû arrêter d'attendre qu'on lui dise quoi faire. Il a fallu qu'il trouve sa propre voie. Erin a prouvé qu'en dépit de sa fragilité et de ses craintes, elle était capable d'être courageuse en cas d'extrême nécessité. Et Charlie, il a enfin compris que l'autorité ne suffisait pas pour diriger une équipe. Il a su la traiter comme son égal et au moment opportun, lui laisser les commandes. Je me chargerai des formalités demain matin. Vous savez où se trouve la sortie? Ce fut... comme toujours, instructif. Nous nous reverrons, je n'en doute pas. Un jour prochain. Adieu.
Est-ce qu'on va avoir une bande-annonce pour le prochain jeu de chez eux? Comme on l'avait eu dans Man of Medan, je pense. Ou je sais plus dans lequel c'était. Ouais. Quelqu'un va prendre le masque? Non, même pas. De toute façon, ça peut pas être lui, il s'est fait broyer normalement, donc... Le déroulé des événements est encore incertain à l'heure actuelle. Mais nous pouvons confirmer qu'à 7h30, un routier a été stoppé pour apporter son aide. La police alertée s'est immédiatement rendue sur les lieux. Les survivants font partie d'une équipe de tournage, Lonit Entertainment, la société qui produit la série documentaire Architecte du meurtre. Merde alors! Ils semblent avoir approché d'un peu trop près leur sujet d'étude, cette fois. Et malheureusement, certains n'ont pas survécu. Quoi qu'il en soit, le calvaire est maintenant terminé. J'hallucine! Vous savez que ma vidéo est devenue virale? Comment tu veux qu'on l'oublie? T'arrêtes pas de nous saouler avec ça. Quoi? Ouais, j'ai fait le nombre de vues qu'il fallait pour gagner un grand concours. T'as gagné quoi? Un voyage tout frais payé dans un hôtel sur une île pour 5. Là, tu m'intéresses. Ouais, Monsieur Dumet nous enverra une limousine et tout ce qu'il faut. Quoi? Ça va être le gros truc de ouf. Non, mais quoi? Et ça va être ça la suite dans le prochain? Il est à la fenêtre là, non? En haut à gauche. Et qui revoilà. Won't you spare me over to another year? Oh, what is this I cannot see with unseen hands taking hold of me? Oh, death and death none can excel. I open the doors to heaven and bon, on va rester pour être sûr qu'il n'y a pas une scène post-crédit. Your heart is fixed, your mind.
Quoi, c'est le post-crédit ou pas? Attention, non, allez à la fin. Non, il y a même pas une... Ah, c'est ça que j'aime avec eux. Mais oui, bien sûr qu'on en a une. Et c'est sur le prochain jeu, et c'est ça la prémonition qu'on voyait, voilà. C'était sûr. Je le sentais. Trop bien, trop bien, trop bien. Ça, vous pouvez être sûr, on le fera ensemble aussi. Sur YouTube et Twitch. Ce sera le premier de la saison 2. Incroyable. Incroyable, incroyable. Une erreur survenue, trop bien ça. Nice. Nice, nice. Ben voilà les gars, du coup, j'espère que vous avez kiffé, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Je vous dis à bientôt. Pour d'autres jeux, d'autres vidéos. N'hésitez pas à le petit like. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et vas-y, je vous dis à bientôt tout le monde.